La colère dans ce tirage va représenter une détresse, une impatience, une situation dans laquelle vous n'êtes pas dans le confort. Vous pouvez faire appel à un messager, à une personne extérieure pour vous conseiller ou pour vous aider, un médiateur par exemple, ou vous pouvez être votre propre conseiller si vous arrivez à faire une certaine introspection. La sexualité va représenter la dépendance, une obsession, des difficultés dans une relation quelle qu'elle soit, ça peut être aussi de l'abus en fait, d'une part ou de l'autre. La mort ne va pas être une mauvaise carte parce qu'elle va signifier qu'il y aura une rupture, que finalement il y aura un renouveau à cette situation. Donc vous allez réussir à vous en sortir pour sortir d'un nouveau pied, de partir sur un nouveau pied, pardon. L'esprit, donc c'est quand même quelque chose qui vous demande beaucoup d'efforts, de réflexion, de questionnement. Elle vous invite, cette carte, à vous épanouir et à vous écouter, à écouter ce que vous ne voulez pas entendre en fait, et ce que vous voulez pas vous avouer. Le temps, ben, ça va vous prendre du temps, il vous faudra être patient, c'est ok en fait, il vous faudra du repos, se poser en fait pour savoir comment aborder les choses et pour savoir vraiment ce que vous voulez. En attendant cette situation, vous avez les clés en main en fait. Dans cette relation-là, où que ce soit en fait, pas forcément que dans le privé, ça peut être aussi dans le professionnel, mais c'est votre mission de vie de vous sortir de là, et vous avez toutes vos clés, toutes les clés sont dans vos poches.